Commencer par les coups de cœur et les coups de sifflet de chacun, puisque maintenant c'est une tradition dans cette émission. Gérard Laine, on commence par vous. Vous êtes journaliste à TC7 Jours. Oui. Mon coup de cœur, c'est le livre de Francis Lacassin sur Simenon. Un superbe album, je le montre. Oui, vous pouvez le montrer. Ce sont les conversations qu'il a eues avec Georges Simenon. Alors c'est à la fois, comme toujours chez Lacassin, très érudit, très vivant surtout. On apprend beaucoup de choses. Votre coup de sifflet ? Coup de sifflet, bien, je dirais. Le bureaucrate inconnu de la Cinémathèque française, appelons-le comme ça, qui a oublié, entre guillemets, d'annoncer dans les programmes la projection de Cinématon. Alors, j'explique. Cinématon, c'est le film le plus long et le moins cher de toute l'histoire du cinéma. C'est projeté depuis le 2 janvier, ça a été annoncé nulle part. Et pourtant, c'est entrée libre, gratuite. C'est au Palais de Chaillot, c'est salle de Teissner. Et bien voilà qui est fait.
Là, on voit Sandrine Bonner. C'est un document historique, car c'est sa première apparition cinématographique. J'avais eu l'occasion de la filmer en juillet 82, donc elle était très jeune. Je ne sais même pas si elle avait 14 ans. Il y a toutes sortes de sentiments. Là, on la voit assez triste, puis à un moment donné, elle sourit, elle rit. J'aime bien les cinématons qui ne sont pas du tout calculés, où les gens n'ont pas prévu à l'avance tout un scénario. C'est souvent d'ailleurs les premiers cinématons qui ont été réalisés. Les gens ne savaient même pas si ça serait montré. Alors donc, ils se prêtaient au jeu de la caméra de façon totalement pure. Et le résultat, c'est que souvent, ces cinématons-là, les cinématons des origines, sont plus authentiques que les autres. Chaque fois que je voulais voir des images de gens que j'aimais, des gens comme Breton ou comme Proust, des gens du début du siècle, on ne pouvait jamais voir leurs images. Je me suis posé des questions, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est quand même le cinéma existe depuis la fin du 19e et qu'il n'y ait pas d'image de ces gens-là. Puis je me suis aperçu que je côtoyais plein de gens, des peintres, des cinéastes qui étaient un peu dans l'avant-garde, il n'y avait pas d'image d'eux. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de filmer tous ces gens qui m'entourent. Puis voilà, ça a commencé comme ça, j'ai fait des portraits d'eux. J'ai commencé les cinématons il y a 13 ans exactement. Et donc en 13 ans, j'ai réalisé 1500 cinématons qui représentent environ 100 heures de projection. Le cinématon, c'est un plan fixe, un plan séquence qui dure pendant 3 minutes et demie, avec une personne qui est face à la caméra et qui a la liberté de faire ce qu'elle veut. Et c'est très important en cinéma muet. Les gens qui m'ont le plus influencé et les gens que je revendique le plus au cinéma, ce sont les frères Lumière qui, dès le départ, ont absolument tout inventé. Le cinématon est aussi une sorte d'étude du narcissisme. Évidemment, si je me suis intéressé au narcissisme, c'est parce que moi-même, je suis narcissique. Et donc, le cinématon, toutes ces centaines de portraits de narcissiques, ces gens-là, ils me renvoient mon image à moi de narcissique. C'est vrai que c'est sans concession, c'est une sorte de mise à nu de la personne qui est filmée, et c'est tant mieux, et c'est ça qui donne sa force et son intérêt. Je sais bien que dans les règles du jeu du cinématon, les gens essaient de pervertir mon système, ils essaient toujours de le prendre à rebours, mais en même temps, mon système cinématon est tellement pervers que les gens, malgré tout, sont obligés de se montrer tels qu'ils sont. Enfin, il y en a qui sortent du cadre, par exemple, et qui reviennent toujours, à part peut-être une exception ou deux. Les gens ont toujours besoin de revenir. Ils se disent, je fais un effet, et puis les gens vont m'attendre, voilà, je suis absent, je crée un suspense, et puis en même temps, il se passe en eux le contraire, ils disent, mais ça serait bien que je revienne, parce que les gens ont envie de me voir. Et les gens reviennent en général toujours. Mon cinématon préféré est celui de Galaxy Barbout, le premier que j'ai fait avec elle lorsqu'elle avait 7 mois. Et en 3 minutes et demie, je pense qu'il passe dans son cinématon tous les sentiments possibles et imaginables, de la joie à la tristesse. C'est une sorte de panoplie et les gens, les spectateurs le ressentent aussi. C'est assez étonnant que ça soit à tel point concentré en un seul cinématon. Thank you.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premier amour, deuxième, c'est Karine, tu vois bien, la petite avec elle. Simone de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Elle abat trop souvent le patient sous son poids. Allons, scélérat, lève-toi et marche. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. J'ai parlé au monde ouvertement. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Les soldats appellent toute la garde. Ils revêtent Jésus d'un manteau rouge, lui saignent la tête d'une couronne d'épines. Et humilié, outragé, objet de plaisanterie. Donne-nous de vaincre les humiliations, les moqueries, par amour pour toi. Et in seculum, seculorum, amen. Dix-septième station, Jésus est condamné à mort. Tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate le livra pour être crucifié. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos responsabilités, à tenir nos engagements, même lorsqu'ils nous entourent. Allons, scélérat, reprendons cette croix. Tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. La croix rencontre sa sainte mère. Ils prirent donc Jésus, et portant lui-même sa croix, il sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Nous pourrions leur venir en aide concrètement, ne serait-ce que par une présence. N'avait plus rien de l'homme.
Seigneur, donne force, courage, patience et bonté à tous ceux qui sont au service des malades, des infirmes, des handicapés. Jésus à la porte judiciaire. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car s'il en prête ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Suivre le Christ, ne pas avoir peur. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, la prière. Depuis longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogeait avec force parole, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, l'ayant traité avec mépris, le renvoya à Pilate. Ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Garde-nous, Seigneur, de tout complot, de toute méchanceté, de toute race. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais mépriser notre prochain. Allons, scélérat, lève-toi et marche. Nous agissons souvent sous la pression des autres, des supérieurs, des amis. Alors, roi des Juifs, debout et en avant, tu n'éviteras pas le supplice sanglant. À la suite de Jésus sur le chemin du calvaire. Le châtiment qui nous semble a pesé sur lui. C'est grâce à ses meurtrissures que nous avons la guérison. Tu perds innocemment. Que leur vie soit brisée. Quand vient la guerre et la mort du voisin. C'est ta passion chaque fois ravivée. Seigneur, fais pour nous crucifiés, que ton amour ne soit pas méconnu, mais que ton fils. Par contrainte et par jugement, il a été enlevé et à son sort. Qui a réfléchi? Thank you.
Seigneur, tu nous as dit d'aimer, même nos ennemis. Sur la croix, nous nous rendons présents au pardon. Aille jusqu'à la réconciliation. Fille de Sion, femme stupide, cessez cette pitié. Quand Rome exécute, ne vaut rien condamner. Allons, scélérat, lève-toi et marche. Nous allons jusqu'à la station où Jésus recommande sa mère en disant... Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par sa sainte croix. Jésus meurt sur la croix. Les passants l'injuriaient, les chefs des prêtres et les scribes se moquaient. À l'heure du midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Nous prenons le refrain, Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Thank you.
الشمس والقمر أظلمان.
Thank you.
يا أورا شالي.
الموت بالموت ووهب الحياة للذين في